Il est 18h passé, dimanche, et sur le dance floor des 7 arpents, ça ne faiblit pas depuis le début d'après-midi. C'est la danse qui donne cette énergie, ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est l'orchestre, c'est l'ambiance, c'est les gens qui sont avec nous, voilà. C'est l'énergie, elle est collective aussi, quoi. Une énergie collective partagée par près de 200 personnes venues saluer le retour du thé dansant à Souffle après 5 ans d'absence. Et comme le dit si bien Jeannot, il n'a pas fallu grand-chose pour que tout le monde s'amuse. Il suffit de quelques personnes qui aiment s'amuser, qui mettent un peu d'ambiance et c'est parti. Sur la scène, un groupe. Ne me demandez pas le nom exact, je sais qu'il y a une histoire de rossignol allemand dans ce nom. Oui, difficile à prononcer, ce sont en fait, Myriam, les... Margold, Burg, Drossel. Et c'est en fait le début des noms des villages d'où elles viennent. Drossel, c'est le nom d'un oiseau. Ambiance musique schlager et tyrolienne. Ce sont 5 mamies qui adorent faire ça et qui ont un humour dingue, ne serait-ce que par leur tenue. Et lorsque notre ville de Kehl a fêté ses 750 ans, nous nous sommes costumés comme les gens s'habillaient à l'époque, d'où les vieux vêtements, les accessoires et les peaux que nous portons. Au début, nous ne chantions que des vieilles chansons, mais depuis, nous avons élargi notre répertoire. Avec cet orchestre, ça change complètement, il y a un peu de tout. C'est super. Agréable. C'est extraordinaire. Et s'ils reviennent, j'y reviendrai. Pour la première fois, l'animation de l'Omalt tirée jusqu'au début de soirée et le thé dansant plus petite formule dînatoire semble plaire. La plupart des danseurs sont restés. Non, on n'est pas fatigué. Non. C'est de la gymnastique pour nous, pour les vieux. Hein, alors. Oui, c'est de la gymnastique et c'est bon pour le moral. Danser, c'est bon pour le moral, une phrase qui résume bien le ton de ce temps retrouvé si convivial à Souffle-Weyersheim. Le prochain thé dansant à Souffle sera le 8 septembre.